Bon, qu'est-ce qu'il fait, Jérémy là? Tu parles, il a dû se paumer, ouais. Ah, faut dire qu'avec sa mobylette là, t'as eu la bouillasse quoi. Ça se trouve, il est resté planté en bas quoi. Ah. Ah. Ah bah tiens, qui voilà? Là, t'as fait l'école du cirque toi. N'oublie pas de t'arrêter, hein, c'est là, c'est ici. Bah ouais, un peu quand même là. Oh putain. Faut que tu changes les boudins là. C'est quoi votre région? Ah, l'Ariège. La Normandie en montagne? Ah ouais, c'est ça. La Normandie avec du soleil. Non, il y en a autant qu'en Normandie, je pense. Oh là là, bah venir chez vous, ça se mérite, hein. Oh, c'est clair. Venu en Ariège. Bonjour. Ça va? Ça va? Et toi? La forme? Eh bien voilà. Bienvenue avec Sylvien et Cédric, notre quatrième portrait. On va vous présenter cette petite famille. Petite, décidé... hein, petite. Ouais, petite, vous allez voir. Ils ont décidé de vivre dans une tiny house. C'est ça. Bien dit. Ouais. Tu parles bien anglais. Tu suis bien tes cours. Ouais, c'est bien. Et ben, on va vous présenter tout ça. Pourquoi, déjà, pourquoi ils ont décidé de faire ça, ceci, cela. On va tout vous expliquer parce que vous devez vous poser énormément de questions. Savoir si c'est un mode qui peut être un mode de vie alternatif qui peut être viable dans le temps ou si c'est juste provisoire. Ou voilà, voilà. On va tout vous expliquer. Mais avant tout. Présentation de cette petite famille. Honneur aux dames. Bah, Sylvia, 39 ans. Avec le soleil dans la figure. Ouais, ça fait du bien. Ça fait bien le soleil. On va rester là, je pense. Et moi, Cédric, 41 ans. Voilà. Et les enfants? Des enfants. Quelques-uns. Un. Célia, 17 ans. Lénalia, 12 ans. 3. Maïna, 10 ans. Et Annabella. 4. Annabella, 8 ans. 4 filles. 4 filles. Eh bah, dis donc. Et Jouk et Oda. Deux chiens. Et deux chiens. C'était fait exprès, les quatre filles? Non. Ah non. Ah ouais, quatre filles. Là, on a voulu quatre enfants et ça, c'était pas prévu d'ailleurs. À la base, ouais. On en voulait deux et puis on en a eu quatre. Ça va, ça se crève pas trop le chignon, quatre filles? Un peu. Non, on vit dehors. Nous, on vit dehors et elle vit dedans. Elle vit dehors, là, quand je vois comment j'ai galéré ouais, avec ma moto 1000 cm3. Cube. Sans crampons. Et alors pourquoi? Quelle idée? Une tiny house? C'est, voilà, c'est les Américains qui font ça, c'est pas les Français. Les gens ils vont dire oui, mais pourquoi ils ont fait ça? Bah en fait, tu pourras me contredire. Hein. Je te contredis. Mais on a démarré par le camping-car, petit camping-car, un McLouis. T'en dis plus là, 610, donc 6 mètres de long, 6 places. Hein, mais voilà, on se sentait un petit peu à l'étroit. Donc du coup, après, on a basculé sur un camping-car poids lourd qui est derrière, ouais. Voilà. Qui allait bien, mais on voulait avoir vraiment chacun son parce univers. Tous les filles nous ont fait comprendre qu'ils avaient besoin de leur propre espace. Chacun, ils n'arrivaient pas à trouver leur place. Chacun son petit coin, en fait. Ouais. Et dans un camping-car, même si c'est modulable, mais finalement, chacun n'avait pas son espace à part nous. On avait vraiment notre chambre. Mais les filles, elles étaient plus en mode, on s'adapte à chaque fois. Donc c'est ça qui est l'élément déclencheur, besoin d'avoir un petit coin à chacun. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'on voulait quelque chose de peut-être un peu plus chaleureux, qu'un camping-car. Que camping-car, ça sorte un petit peu de l'ordinaire, un peu un habitat, un peu atypique. Ouais, on voulait quelque chose qui nous ressemble en fait. D'accord. Et quelque chose qui, si jamais on s'aperçoit que la partie nomade est vraiment compliquée, on peut se dire on se pose quelque part et finalement ça fera une petite maison dans la prairie. Ouais, c'est vrai que là les gens forcément ils connaissent plus ou moins les tiny houses, ils se disent là c'est autre chose que le camping-car. Parce que les dimensions c'est quoi? Vous pouvez nous rappeler là, les dimensions? Vas-y, si t'as bien retenu la leçon. 98 en hauteur. Quasiment 4 mètres aussi, aucune semi. Quoi. C'est ça, on s'est limité à la hauteur d'un poids lourd pour aller partout en Europe. Voilà. Au niveau de la largeur, on est à 2,55. Pareil. Et au niveau de la longueur, donc je parle du bout de la remorque jusqu'au timon, on est à 6,60. Voilà, jusque là. L'avant du timon, il y a plus. Il y a 1,20 de plus, je crois. Un petit 7,50 mètres. Voilà. Et donc on est gabarit poids lourd quasiment, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Par contre, en longueur, on...
Pour l'instant, on est plus petit. Pour l'instant, vous devez tenir sur 3,5 tonnes, si je dis pas de bêtises. Ah oui, là, c'est la réglementation, on peut pas dépasser 3,5 tonnes. Alors, il y en a qui arrivent avec ou sans affaires. Nous, notre idée, c'est d'y arriver avec toutes nos affaires à l'intérieur. Toutes nos affaires est à 3,5 tonnes. Voilà. Donc, pour l'instant, on est en bonne voie. Et là, vous en êtes où au niveau dans les travaux? Ça s'est passé comment? Vite fait, un petit. On en est où dans les travaux? On a quasiment fini. Ouais. Le gros œuvre, en tout cas, c'est terminé. Et puis là, il ne nous reste plus qu'à avoir l'eau chaude. Ouais, on va dire c'est vraiment la partie salle de bain. Il y a encore beaucoup de boulot. Encore la salle de bain. Boulot, ouais. Deux bonnes semaines. C'est ce qu'on fait en dernier en général. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est le truc que tu te gardes vraiment à la fin. Deux bonnes semaines avec la paroi de douche, le chauffe-eau, qui n'est pas si simple que ça à installer. Et puis après, la porte de la salle de bain. Et voilà, après, ce sera des petites finitions par-ci, par-là. Des petits coups de ça ne nous empêche pas de... Le solaire, je pense que vous devez installer après, solaire. Voilà, ça, c'est la partie... Après, ça, c'est la partie fourgon. Fourgon. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, vous allez avoir un fourgon avec tout votre solaire intégré. En fait, ça sera notre réseau. Réseau électrique, réseau pour l'eau. D'accord, ok. Et stockage de réserves. C'est pas possible d'avoir votre solaire sur la tiny, votre eau usée, non. Vos eaux froides. Sinon, on dépasse au niveau du poids. C'est juste pour une question de poids. En termes de poids, on était foutus. Après, il n'y aurait peut-être pas la place forcément pour intégrer tout ça. Ah ouais, parce que déjà que c'est chaud. Mais du coup, tu mets pas tes affaires personnelles et les meubles, tu oublies quoi. D'accord, donc vous tirez ça avec un petit poids lourd, c'est ça? Ah, on espère. On pensait partir sur un simple fourgon et puis à force de creuser, finalement, on s'aperçoit que. Un peu léger. Pour avoir un peu plus de confort et pas trop se poser de questions à chaque fois qu'on va bouger, à se dire est-ce qu'on n'a pas dépassé de 100 kg si on se fait arrêter et tout. Donc un petit poids lourd, ça serait un petit poids lourd. Vous allez la bouger un peu plus régulièrement que les gens qui vivent en tiny, qui posent vraiment ça une fois de temps en temps sur un terrain. Vous allez bouger beaucoup plus, donc le fait d'avoir un petit poids lourd, ça sera un peu plus adapté. C'est ça. Le temps de fabrication à peu près, vous l'avez tout fait vous-même, vous l'avez acheté hors dehors d'air, vous avez fait quoi? Alors nous on l'a acheté hors dehors d'air. Comme une maison en fait. Comme une maison. Ouais. Et on a uniquement, on a fait tout l'aménagement intérieur. Ouais. Voilà, on est passé par les tiny houses de Petit-Jean. Les tiny houses de Petit-Jean. Voilà, c'est en Ariège. Donc c'est un constructeur qui nous a fait toute l'ossature, tout assemblé. Fini. Bon, après, nous, on a l'azuré et tout. Mais, vous avez l'azuré. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire différentes options. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il n'est pas du tout fermé. Ouais, ça, c'est bien. Par exemple, on lui a fait réaliser le lambris à l'intérieur parce que il fallait stocker tout ça. Nous, on n'avait pas de quoi. Donc, on s'est dit ça sera faisable. Lui, il connaît. Il est du métier, donc il va plus vite. Nous, on aurait mis 3 plombes à faire le lambris intérieur. Il est très souple, en plus, au niveau de son activité. Il a accepté, par exemple, pour un autre client, de faire que l'ossature. Ouais, voilà, voilà. C'est modulable, la demande. Selon vos besoins, selon vos envies, selon vos finances. C'est ça, c'est tout bien. À fait selon nos finances. Ça vous a pris combien de temps à peu près entre l'idée, le bon de commande, la livraison, enfin voilà, là, et entre maintenant, quoi, jusqu'à maintenant? Alors, entre l'idée et le bon de commande, ça nous a pris 6 mois. Ouais. Oui. Et entre le bon de commande et maintenant, ça nous a pris 10 mois. 10 mois, d'accord. Ouais. Ça fait en gros une petite année pour qu'elle soit finie. Je pense, franchement, il faut compter une petite année. Vos aménagements intérieurs. Et, c'est ça. Après, si on passe que par le constructeur, en 6 mois, il peut sortir. Il peut sortir une clé en main. D'accord, clé en main en 6 mois, ça peut être sorti. Ouais. Après, ça va. C'est pas non plus super long, 6 mois, même si c'est 8 mois, c'est pas forcément bien grave. Et donc là, le départ, c'est pour quand quasiment? On espère dans un mois. Vous espérez dans un mois? Ouais. On se donne un mois en fait pour trouver le fourgon, l'aménager, et puis que Souchou ils finissent les travaux. Si vous pouvez partir fin janvier, ça serait bien. Ouais. Et alors là, c'est pour faire quoi? Vous allez faire comment? Parce que je suppose que vous n'allez pas pouvoir vous garer non plus sur des aires camping-car. Enfin, ça ne va pas être avant en fait. Voilà, non. Les aires de camping-car nous sont interdites. C'est interdit. Ouais. La hauteur souvent. Les remorques, t'as pas le droit aussi. Les remorques, C'est interdit. Mais non, en woofing. Du woofing, ça va être ça un peu le principe. Globalement, j'espère que ça va pouvoir fonctionner. Dans la nature, durée de combien de temps à peu près? Après, ça sera, je pense, vraiment lié à la personne qui reçoit, parce qu'il y en a qui peuvent accueillir une semaine, et puis comme d'autres qui peuvent accueillir 3 mois, parce qu'il y a une saison qui va durer 3 mois, ils veulent du personnel. Et vous irez, ça vous permettra aussi de travailler dans les fermes où vous irez? C'est ça. L'idée, c'est un peu de découvrir ce mode de vie-là, de faire découvrir aux enfants qu'on peut travailler différemment l'agriculture, l'élevage, et puis après tout le reste, tout ce qui tourne autour, la culture locale, c'est ce qu'on veut vraiment faire découvrir, plein de choses aux là, filles. Là c'est The Aventure, c'est tu pars limite avec un bandeau devant les yeux et tu te dis bon ben tu y vas à l'aveugle. Hein.
Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est ça la vie. Et ouais. Là, il y aura le camion qui va tirer la Tiny et ouais. C'est tout, ou vous avez un autre véhicule à côté? Alors, nous à côté, moi je garde l'espace que je vais ouais. conduire. Alors, soit je me mettrai devant Cédric justement pour être un ouais, peu. Pour, voilà, pour lui dire un peu comment là, il a roule. Pas, ça. Voilà. Même si on aura. Éclaireuse, un... tu vas être l'éclaireur. Voilà, c'est ça. Même si on aura un GPS poids lourd, je préfère quand même faire comme ça. Envisageable de sortir de France en ouais. fait, avec une Tiny et tout. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. 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 Ouais, bah, va... Vu qu'on a la libre circulation, on va faire maximum de pays européens. Après, il y en a qui nous intéressent peut-être moins que d'autres. Ouais. Mais il y en a certains que j'aimerais vraiment visiter, traverser, découvrir. En fait, on n'a pas encore fait d'itinéraire précis. Non, on préfère pas, ouais. Parce mais que... on le fera sous peu. Oui, de bah, toute façon, c'est l'aventure. Hein. L'idée, c'est de bouger aussi ouais. avec un peu avec les saisons, parce que forcément... Puis avec les saisons et avec les envies, en fait. C'est-à-dire si nos filles, tu vois, là, Annabella nous a dit, elle a vu quand vous êtes partie en Laponie. Et donc, elle dit, maman, moi aussi, je vais aller en Laponie voir le Père Noël. Comment te dire On va discuter, mais voilà. Si c'est en été, ça va. Voilà, bah, voilà, l'été, je vais bien. Si c'est en été, ça va. Eh ben c'est bien, c'est un chouette projet tout ça. Et puis bon, on va aller, voilà, vous allez nous faire visiter l'intérieur, c'est ça? Tout à fait. Ça marche. Expliquer toutes vos petites choses, vos petites astuces pour le rangement, parce que je pense que comme ça c'est compact, il faut avoir. On a optimisé, ouais. optimisé. Voilà, enfin, il faut être minimaliste hein, dans tous les cas, sinon ça passe pas. Ouais. J'adorais avoir plein de plats à pâtisser. Voilà, je collectionnais limite les moules. Quoi. Ah, la cuisine était bien remplie. Ouais. Voilà. Donc j'ai donné. Et les vêtements aussi, c'était bien rempli. Et ben là, tu pourras collectionner les moules de différentes régions. Les moules. Crustacés. Crustacés. Le mollusque. Manger, ouais. Le mollusque. Ça prend moins de place. En fait, c'est ça. Notre principe, c'est de consommer. On s'était des souvenirs. Dit, des souvenirs, ouais. De vivre plaisir par rapport à au ça. Niveau culinaire. Le matériel, c'est abstrait. Voilà, ouais. On a forcément besoin de certaines choses. Il n'y a pas de mystère, mais on veut vraiment se mettre des souvenirs dans la tête parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain et profiter à fond. Quoi. Et ben c'est un choix de vie qui n'est pas commun et c'est votre choix de vie. Allez, on vous amène voilà, à l'intérieur. Parti. C'est parti. J'espère qu'il n'y a pas autant de monde dehors. Voilà, on est dedans. Donc, on va commencer par la cuisine. Hein. Quand on rentre, on tombe sur la cuisine. Donc nous, ce qui, bah, globalement déjà, avant de dire à l'intérieur, voilà, on a mis un parement, c'est uniquement du bois, donc du lambris partout, qu'on a lasuré, ou peint, au plafond c'est peint, sur les murs c'est lasuré. On a pris une plaque 3 feux, un four au gaz à chaleur ventilée, on s'est fait donc des rangements sur la partie gauche, donc on a réussi à caser quasiment toute notre vaisselle là. Après, sur l'évier, contrairement au camping-car, on avait un évier de pet shop, là, on en avait un peu ras-le-bol. On s'est dit, bon, pff, là, on prend la version famille. Donc, on s'est pris un évier de bah, quasiment le plus grand qu'on ait trouvé, en inox, parce qu'on voulait en inox pour que ça reste en harmonie. Et puis, voilà, donc sous l'évier, après, on a calé à la poubelle, les rangements des fruits, les légumes, et puis tout ce qui est un peu pâte, condiments. Donc, on a réussi à caser ça dans... 1m60. Alors, ça c'est la table en fait qui est prévue pour le coin repas, mais le coin repas étant pris par le sapin de Noël. Du coup, ben, on la laisse ici et le soir et le midi, comme le matin quand on mange, on la déplace et on la met en fait dans le coin salon. Et c'est notre coin repas. Voilà. Elle est où votre chambre? Elle est là, on est aussi dans notre chambre. Ça, c'est un salon modulable. Voilà. Voilà. C'est notre coin lit, c'est notre coin cinéma. Donc on regarde beaucoup de films avec les filles le soir, donc sur le PC. Et donc ça fait un lit king size en fait qui fait vraiment toute la largeur. En fait le lit prend toute la place que tu as ici. 2 mètres sur... Tu peux le défaire tous les jours? Ouais. Ouais. Pour l'instant on est jeune. Oui, on le défait tous les jours. Le matin, hop, on le défait, on le remet en mode canapé, puis le soir bon, on le fait en mode lit. C'est pas trop contraignant? Alors c'est souvent une question qui nous revient, on nous demande souvent si c'est contraignant. Non. Parce qu'en en fait, on s'éclate à le faire pour l'instant, hein, je vous vois comme on dit. Mais on prend vraiment plaisir. Oui, puis ça, on va super vite, quoi. On a pris des réflexes, on se balance les coussins, ça va assez vite. Quoi. Ce qu'on voulait garder, ce qui nous tenait à cœur, c'était de garder un aspect de volume. Quand on rentre, on voulait se dire, ouais, c'est quand même assez large, pas avoir l'impression d'être étriqué. Et c'est vrai que dans la conception initiale, j'avais imaginé mettre des meubles en hauteur. Et à force d'avancer dans les travaux, bah finalement, on s'est dit, bah, on n'en a pas besoin. On va rester avec des meubles bas.
Et je suis sûre que vous vous demandez où sont passés les enfants. Tout simplement dans leur chambre à l'étage. Les abaillonnés. Donc voilà, donc au final, après maintes discussions avec Cédric, on n'a pas arrêté de modifier les plans. Et on a, du coup, on est parti en fait sur deux mezzanines, deux chambres bien distinctes avec deux lits. Donc les filles partagent leur chambre avec l'une de leurs sœurs. Donc elles sont par deux. Donc tu as d'un côté Maïna et Annabella, et de l'autre côté tu as les deux grandes, Lénalia et Célia. Un filet au milieu qui nous a augmenté la surface d'à peu près 3 mètres carrés. Et en même temps c'est un espace de jeu pour les enfants, ils adorent. Et en plus de ça, du coup, tu gardes aussi cette impression d'espace. De volume, t'es pas cloisonné, on va dire. Donc voilà, on est dans la salle de bain, donc avec les toilettes, une partie toilette, avec les serviettes. Hein. On stocke un peu parce que la salle de bain n'est pas terminée, donc du coup, la toilette, elle chauffe sous les serviettes. Voilà, c'est un peu le fourre-tout. Hein. Vous avez mis quoi comme revêtement ? Du Dibon. Donc c'est du Dibon avec imitation carreau de métro. Voilà, on avait plusieurs modèles, mais on voulait quelque chose d'assez neutre et classe en même temps, quoi. Voilà, donc je voulais quelque chose qui soit ancien. Et du coup, je me suis dégotée ça. Donc je suis assez contente. On voulait quelque chose de simple et qui soit original. J'ai peur. Peur. J'ai vertige. Ah, on va y arriver. Ah, attention, tu vas. Et blom. C'est la chute. C'est bon, je vais mettre là. Ah. Voilà, c'est bon, je vais mettre là, je me sens mieux. Bon, ben voilà, on est avec toute la petite famille. Tu t'appelles comment ? Lénalia. Qui a 11 ans, c'est ça ? 12. Annabella. Quel âge ? J'ai 8 ans. 8 ans. Maïna 10 ans. Maïna 10 ans. Et puis la grande. C'est la grande saucisse. La girafe. C'est la 17 ans. Alors les filles, vous aimez bien la tennis ? Oui. C'était mieux que, c'est mieux que le camping-car ? Oui. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Ah, la question à deux balles.
parce que c'est beaucoup plus grand déjà, ouais. Plus spacieux. Et pourquoi tu préfères ça ça ressemble à une petite maison, tu disais? Oui, ça ressemble plus à une maison, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, et puis on l'a fait à notre goût, donc c'est mieux. Et là, même si, parce que toi t'es grand, du coup t'as 17 ans, donc c'est vrai qu'il y a un sacré écart d'âge avec les petites, ça te dérange pas d'être dans la même pièce qu'elle? Non. Non, non, non. T'arrives quand même à trouver ton intimité, et tu ressens pas le besoin, mettons, d'avoir un petit rideau pour t'isoler ou quoi? Bah franchement non, parce qu'avec l'air, on a une bonne complicité. Ouais, on sent que du coup vous êtes complices. Et non, mais c'est bien, les gens ils peuvent se rendre compte, parce que souvent c'est chacun dans sa chambre quand il y a les âges. Surtout quand elles sont ados. Ouais. Donc là, il y a vraiment une complicité entre les frangines, même si des fois ça doit se créer un peu le chignon. C'est clair. C'est normal. Et vous, vous préférez quoi par rapport au camping-car? C'est-à-dire? Pourquoi t'es mieux ici que dans le camping-car en fait? Parce que ici c'est plus espacé, on a nos lits séparés et que le camping-car c'était plus petit alors qu'on était en... Il y avait deux personnes dans le même lit. Ouais. Ah oui, il y avait deux personnes dans le même lit. Ouais, dormait il y avait combien deux par de deux. Il y en avait six, il y avait six couchages, mais c'était deux par deux. Ah ouais, d'accord. Et elle, c'est vrai qu'elle avait de plus en plus de mal à dormir avec sa petite sœur. Donc partager sa chambre, ça lui pose pas de problème. Mais dormir dans le même lit, elles en avaient marre. On sent que voilà, il y avait vraiment un réel manque d'espace en fait. C'est dingue. Mais pourtant, ça joue à pas grand chose. Hein. C'est l'aménagement, c'est assez étonnant, franchement. Moi, j'étais super surpris parce que, comme tu dis, elle fait quoi, 6 m50, à peu près à 6 m50 de long. Et quand on rentre, c'est hyper spacieux. C'est hyper spacieux, l'effet d'avoir un étage au-dessus, ça change, mais tout. C'est un truc de dingue. Et puis le petit filet, là, on se croirait sur un catamaran. Faut pas trop sauter, je pense. C'est vraiment fait pour bouquiner de temps en temps. Ils disent 300 kilos, mais bon. Ouais, 300 kilos, ouais. Et voilà, c'est vrai que c'est sympa, c'est charmant, et puis ils ont de la hauteur, donc forcément ça va être plus chiant sur la route parce qu'ils se retrouvent avec un truc de 4 mètres de haut, mais quand ils sont posés, ils ont vraiment ça a vraiment un réel atout d'avoir cette hauteur sous plafond à l'étage. Ouais. Et vous auriez pu baisser encore un peu plus parce que vous avez quand même 2 mètres en dessous. À un moment, au tout début, on avait prévu pour que Célia ait un peu plus de place, de faire une mezzanine à 1,90 m. Donc de gagner 10 cm. 10 cm, ça paraît rien, ça, mais ça paraît sur des petits volumes comme ça, c'est important. C'est impressionnant. Et au dernier moment, on est resté sur 2 mètres pour simplifier la fabrication et tout. Mais je faisais 1,85 m, donc 1,90 m, ça passait encore. Mais bon, après, pour l'instant, on ne regrette pas. On ne regrette pas les choix. La question que pas mal de gens vont nous poser, est-ce qu'on peut vous suivre quelque part? Oui, sur la route. Rire. Ah, c'est un sacré lui, hein. Il a mangé un clown ce matin. Ils peuvent nous. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. 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 Putain. Ouais, suivez-nous sur YouTube. YouTube. ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Ah, vous êtes sur Facebook, vous avez une chaîne YouTube, oui. Un Instagram, tout ça, donc les gens ils peuvent vous suivre. C'est quoi le nom? Air sans limite. Ça s'écrit comment? Parce que les gens ils vont demander. Je vous mettrai en lien aussi tous les portraits. On a deux ou trois personnes qui ont des chaînes YouTube. Donc c'est bien d'en parler. Parce que les gens ils vont nous demander. Alors est-ce qu'on peut les suivre? Là oui, eux vous pouvez les suivre. Hein, vous avez plus l'excuse. On sort une vidéo toutes les semaines. Pour l'instant. Et les vidéos elles parlent de quoi? Alors on a parlé de l'autoconstruction. Donc on s'est filmé à train justement de fabriquer les meubles, les monter, aménager la taille. Vous pourrez voir plus en détail. Vous avez aussi abordé tout ce qui est loi, tout ça aussi dans vos vidéos. Pas trop. Encore. Ouais, mais c'est vraiment tous les détails de la fabrication. Oui. Les étapes, quelques sujets génériques. Ouais. Voilà, l'organisation avec les enfants. Et vous allez continuer à faire des vidéos quand vous serez sur la route, sur votre voyage et tout. Ouais. Donc ça va être cool, ça va être vraiment l'aventure parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes quasiment les seuls. Ouais, en famille pour l'instant. En famille. À avoir une chaîne, je pense qu'on est les seuls. Ouais. Et à vouloir bouger assez loin. À vouloir bouger pas aussi, mettre ça sur un terrain tous les 6 mois. Oui, oui. Donc ça va être chouette à suivre, je pense. Donc Air sans limite, ça s'écrit A-I-R-E, plus loin S-A-N-S, plus loin L-I-M-I-T-E. R. Sans limite. Pourquoi ce nom-là? Parce qu'on s'appelle R100. C'est la famille R100. C'est la famille R100. On a fait un jeu de mots avec notre nom. Voilà. Voilà. Et on n'a aucune limite, donc R100 limite. J'ai la moumoute dans la moustache. Petite place. Tu me fais du genou, c'est ça? Eh ben, on est bien dans cette tiny house. Ah, on est à l'aise quand même. Ouais, on est vraiment à l'aise. C'est spacieux. C'est vraiment étonnant. Et je comprends pourquoi il y a un engouement.
Moi, je t'avoue que je me disais, ouais, ça va, ces petits machins, petites maisons, des fois, c'est ridicule. Franchement, je me rends compte que c'est pas si ridicule que ça parce qu'il y a de la place, c'est impressionnant. On l'a senti hein, quand on était venu à la VAD, on a senti hein, que tu croyais pas, quoi. Ouais, c'est bizarre et tout, ils sont bizarres, ils vivent dans des maisons en bois, ce roux. Vous devez avoir envie de, ah ouais, on a envie, de partir. Ah, on est bien là, mais forcément, on fait ça pour voyager. Et ça fait un an qu'on est planté. Parce que même avec le gros camping-car, le projet, tout ça, le suivre, l'école, on n'a quasiment pas bougé. Là, on a vraiment hâte de bouger. Quoi. Okay. C'est une belle région, hein, ce Adi, ici, quand même. C'est vraiment chouette. C'est super joli. Super coin. Le mot de la fin, croire en ses rêves. Ne jamais baisser les bras. Continuez à suivre les vadrouillards. Sur ce, bye bye, on va manger. Et ouais, à chaque fois, on va ou prendre un chocolat ou manger. Bah là, c'est on va manger. Gros bisous à vous, prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Ah oui, tu voulais le dire à la fin. J'allais oublier. N'oubliez pas demain le 5e portrait qui clôturera cette saison de reportage. Hein, 5 jours, 5 portraits. Bye bye. Le sketch. Oh putain. Je suis sûr que vous vous demandez où on range. On range. Allez, on range les gosses. Allez les filles, faut sortir. Ils sont là, les enfants. Un morceau. Pardon. Oula, ça fait un peu glauque là. N'oubliez pas le deuxième portrait. Bien,